1803, bon, en gros, un électron et un proton, c'est 1803, donc 1836 fois, au moins, minimum. Hein. D'accord? Le rayon des électrons, de l'armure des électrons, il faut le multiplier par 1836 pour avoir le rayon de l'armure des ions. C'est-à-dire que si je dois tracer les ions, bon, ça va tourner 1800, vous savez, je ne peux pas le faire, hein, ça sort de la feuille. Hein. Ça va tourner comme ça, je ne sais pas si vous voyez le. Hein, ça va tourner comme ça, d'accord? Et donc, ça, il n'y a pas de piégeage. Là. Pour qu'il y ait piégeage, il faut vraiment que le rayon de l'armure soit tout petit. Donc, il est vraiment négligeable. Alors, D'accord. ici, donc, j'applique un champ électrique, voici, en fonction du temps. Alors, une fois, il est positif, et une fois, il est négatif. La fréquence, elle est très grande. Hein. C'est de l'ordre du mégahertz. Hein. C'est-à-dire, en un millionième de seconde, ça change de sens. Quand le champ électrique il est positif, c'est les ions A+ qui sont accélérés. Et quand le champ électrique est négatif, il va accélérer plutôt les ions négatifs. Donc là, c'est A+ et A-. Donc il accélère alternativement une fois les ions positifs et une fois les ions négatifs. Et quand ils sortent, la charge d'espace ici globale, elle est égale à zéro. Donc, on va appeler la densité de charge dans l'espace, elle est pratiquement nulle, parce qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les ions ne vont pas revenir, d'accord? Parce que c'est une charge qui est quasiment égale à zéro, et ça part toujours dans le même sens, avec une très grande vitesse, ce qui va donc donner une vitesse à notre satellite dans l'autre sens. Voilà. Donc, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de cathode. Seulement, on utilise des ions positifs et des ions négatifs pour avoir une charge d'espace quasiment égale à zéro. C'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Alors, maintenant, je vais parler juste de quelques caractéristiques. Je prends ici un tableau. Voilà. Bon, les satellites et les missions longues, ce sont ce qu'on appelle les applications. Les applications, c'est satellites. Longue parce que si vous voulez expliquer la dernière fois que si vous voulez comment dirais-je aller loin il faudrait que vous preniez beaucoup trop de combustible si c'est chimique déjà vous voyez très bien que les fusées elles vont pas très loin hein, d'accord c'est des missions juste autour de nous hein. Par contre si vous devez aller très très loin vous pouvez pas impossible avec l'énergie chimique de pouvoir vous en sortir. Donc, il faudrait absolument changer. Et là, je fais un petit tableau, là. Je vous explique ce que je suis en train de faire. Ils ont des ordres de grandeur. C'est important, ces ordres de grandeur. Hein. Donc, ici, la propulsion, elle est chimique. Là, c'est chimique. C'est-à-dire les hydrogènes, etc. Et ici, elle est électrique. Bon, ici, c'est ce qu'on appelle la poussée, c'est-à-dire la force avec laquelle ça va pousser le satellite. Et ici, c'est la vitesse d'éjection. Alors, la poussée, ici, la poussée, bon, la poussée pour le chimique, vous savez, elle fait combien la fusée à peu près? Je crois qu'on a le poids d'elle. Oh, 10 puissance 6, 10 puissance 7, la poussée. 6, 7 newtons. C'est des newtons. Hein. C'est une force pour faire décoller la fusée. Et par contre, la vitesse d'éjection, c'est de quelques kilomètres par seconde. Hein. C'est des kilomètres par seconde. Oh, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Et donc ici, vous avez des kilomètres à la seconde. C'est à peu près 2, 3, allez, maximum, c'est 5. Pour l'électrique, alors la poussée, elle est ridicule. Ridicule, hein, regardez, c'est 10 puissance moins 2 newtons. Donc il y a un facteur à peu près 10 puissance 8 entre les deux. Mais par contre, ça peut arriver jusqu'à 100 ici, kilomètres à la seconde. La vitesse d'éjection, elle est plus forte. Pourquoi? Parce que la vitesse thermique, elle est plus petite que la vitesse électrique. Vous appliquez un champ électrique,
Rappelez-vous, ici, j'ai un champ électrique qui accélère. Je peux prendre un champ électrique de plusieurs kilovolts. Et pour les fusées conventionnelles, c'est la température, c'est VT. Et la température, elle est liée évidemment à ce que vous brûlez, les gaz que vous brûlez, 3600 à peu près, pas plus. Et donc la vitesse d'éjection, elle est beaucoup plus importante. Donc on gagne, ça c'est un plus, on gagne en vitesse d'éjection. Par contre, on perd au niveau de la poussée parce qu'elle n'est pas très importante. Ça, c'est un petit peu les deux caractéristiques. Alors, pour des missions longues, on a besoin justement d'une bonne vitesse d'éjection parce que les satellites, ils vont prendre, pratiquement seront, enfin, les fusées seront quasiment très légères. Elles ne peuvent prendre que du gaz. Et le gaz, ça pèse rien. Hein. Ça pèse rien. Tout ce gaz-là, c'est un gaz qu'on peut utiliser pour le transformer en plasma. Et ensuite, on l'accélère. Et tout ça, c'est l'énergie électrique. Donc, c'est de l'énergie solaire. Tandis que pour les fusées chimiques, on utilise évidemment de l'énergie solaire très très peu. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, toutes les fusées, elles n'ont pas des, elles sont pas tapissées de cellules photovoltaïques. Hein. C'est l'énergie, elle vient de l'énergie chimique. Hein. Tout est chimique, embarqué. Ils prennent tout de la Terre. Tandis que là, on prend quasiment rien, on prend qu'un gaz, et donc on peut aller très très loin. Voilà l'idée qu'il faut retenir. Bon, c'est un petit peu une grosse recherche se fait actuellement. Pour essayer de faire des fusées à plasma. Alors, je ne rentre pas dans ces détails-là, j'ai pas... mais on essaie de le faire. Voilà un petit peu pour la propulsion. Si vous avez des questions, sinon je passe à la troisième application. La troisième application, c'est la fusion thermonucléaire. Donc, la fusion thermonucléaire. Qu'est-ce que je fais? La fusion thermonucléaire. Alors, pour la fusion thermonucléaire, vous êtes au courant quand même qu'il y a de gros efforts qui sont faits au niveau de la recherche. C'est des budgets qui dépassent pratiquement le budget d'un État, plus que ça même. Ça dépend de quel État. Les budgets qui sont mis pour faire de la fusion, c'est des budgets qui dépassent l'entendement. Donc, l'idée est quoi? L'idée, c'est d'essayer de, à partir d'atomes légers, on aura l'occasion d'en parler dans un petit moment. Donc, ce sont des isotopes de l'hydrogène, on appelle ça le deutérium et le tritium. C'est-à-dire, c'est l'hydrogène auquel on rajoute un neutron et l'hydrogène auquel on rajoute deux neutrons. Et on essaye de les faire fusionner. Fusion, ça veut dire, ça va faire un seul corps. D'accord? Un seul. Par exemple, ça va donner de l'hélium. Et cette réaction nucléaire, c'est une réaction nucléaire, elle va dégager de l'énergie. Et c'est cette énergie qu'on veut utiliser pour, comme les centrales nucléaires, que vous connaissez, hein, toutes les centrales nucléaires qu'il y a dans le monde, et qui sont basées évidemment sur la fission, et non pas la fusion. C'est des réactions nucléaires qui dégagent de l'énergie, on récupère cette énergie et on arrive à avoir des stations, de l'électricité. Voilà, donc c'est l'idée qu'il y a derrière la fusion, c'est d'essayer d'être une alternative, c'est-à-dire se remplacer la fission nucléaire qui est extrêmement dangereuse, comme vous savez. Donc avant de parler de fusion, je vais parler d'abord de fission. C'est normal puisque. Donc ici, je fais un rappel sur la fission. Je vous enverrai les documents bientôt là. Rappel sur la fission. Vous avez fait un peu des cours sur la fission quand même, c'est ça, hein? J'ai posé une question. Pas La encore, on n'a fission. pas encore commencé la partie nucléaire dans le panne. Ah, d'accord, ok. Bon, si vous voulez, bon, c'est que vous savez que les noyaux ne sont pas tous égaux, hein? Ils sont très différents les uns des autres. Par leurs propriétés. Notamment au niveau de la stabilité. Les noyaux, par exemple, certains noyaux sont instables. Et comme ils sont instables, on dit aussi qu'ils sont fissiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent se couper.
Ça peut se faire de façon spontanée d'ailleurs, mais en général, on les aide un petit peu. Et ces noyaux-là, si on les fait, on fait des réactions de ces noyaux avec des neutrons, on va avoir des produits de la réaction nucléaire, d'autres produits. Le noyau va se subdiviser en deux, voire plus parfois, et il va dégager de l'énergie. Cette énergie, on la récupère. Et c'est comme ça que fonctionne une centrale électrique, une centrale nucléaire. Donc la centrale nucléaire, c'est quoi? C'est de récupérer des particules qui vont très vite. Je ne sais pas comment vous savez comment que ça marche, une centrale nucléaire. Et une centrale électrique, comment que ça marche? Ben, ce n'est pas difficile, hein. On chauffe l'eau et on aura de la... C'est comme la locomotive des années 1800, hein. On chauffe l'eau et quand l'eau est chauffée, on a de la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau, vous savez que c'est, elle a une pression. Et cette pression fait tourner, par exemple, ce qu'on appelle un volant, comme ça. Un grand cylindre en fer, voilà. Si vous arrivez à le faire tourner, et vous pouvez le faire tourner qu'avec de la vapeur d'eau à très haute température. Et s'il tourne, et s'il y a un champ magnétique, alors vous allez transformer, vous savez, c'est l'effet Faraday. Et vous avez, quand il y a un champ magnétique B, bon, je mets juste B comme ça. Je ne le représente pas. Voilà, si vous voulez. Et donc, si vous avez un corps qui tourne en présence d'un champ magnétique, ben, qu'est-ce que vous avez? Vous allez récupérer une force électromotrice, FEM. Et donc, vous allez fabriquer de l'énergie. Vous transformez l'énergie mécanique en énergie électrique. C'est comme ça qu'on fait avec l'effet d'induction. Toutes leurs centrales nucléaires fonctionnent comme ça. Toutes les centrales électriques, qu'elles soient classiques ou nucléaires, elles fonctionnent là-dessus. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'essayer de créer de la vapeur d'eau pour faire tourner un volant, voilà, un système comme ça. Bon, je ne rentre pas dans les détails dans la fabrication parce qu'il m'intéresse, c'est plutôt la fusion. Mais c'est un truc extrêmement simple, hein. C'est du classique, hein. Ça, les centrales électriques existent avant. En Algérie, on a des centrales électriques, vous savez, mais elles sont à gaz. C'est le gaz qu'on utilise pour chauffer l'eau. Et puis une fois que l'eau est chauffée, elle fait tourner une turbine. On appelle ça une turbine. C'est-à-dire c'est un volant plus un champ magnétique. Et une fois qu'elle tourne la turbine, elle va vous donner de l'électricité. Vous récupérez de l'électricité de l'autre côté. Par effet Faraday. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est pas... Donc, tout le problème, c'est de faire de la vapeur d'eau à très haute pression. Évidemment, avant, c'était du charbon. Maintenant, c'est le gaz. Et certains pays utilisent évidemment l'énergie nucléaire, la fission. Voilà. Alors, comment ils font? Ben, vous savez que la fission, elle fonctionne avec l'uranium-235. C'est un isotope. C'est celui-là qui nous intéresse. Alors, où est-ce qu'on le trouve? Bon, c'est un minerai, hein. Donc, des mines. Bon, comme les mines de fer, hein. C'est un minerai d'uranium. Seulement, quand on l'extrait, malheureusement, sa teneur, c'est-à-dire le pourcentage, il est de 0,7%. Et c'est plutôt l'uranium 238 qui lui est beaucoup plus stable, qui est le plus important. D'accord? Donc lui, c'est à 99,3. La nature, elle est comme ça. Elle ne nous a pas donné de l'uranium 235, mais de l'uranium 238 en très grande quantité. Alors en général, quand on extrait, vous voyez que... Comme on veut utiliser l'uranium 235, ça ne suffit pas, ça, pour faire tourner une centrale nucléaire. Pour faire tourner une centrale nucléaire, il faut entre 2 et 5 %. Un enrichissement de 2 à 5 %. Sinon, ça ne tourne pas, ça ne marchera pas.
Donc, il faut enrichir. Il faut enrichir l'uranium. Quand on l'extrait, il faut l'enrichir. Enrichir est un mot assez vague pour vous, ça veut dire passer de l'uranium 238 à l'uranium 235. C'est possible, voilà. Il faut enrichir l'uranium ou alors faire en sorte que la teneur arrive pratiquement à 2 à 5%. Voilà. Bon, les applications, comment dirais-je, les applications sont nombreuses. D'abord, la réaction, je ne sais pas si vous connaissez la réaction, bon, je vous la donne, hein, c'est un neutron qui rentre en collision donc, avec l'uranium, un noyau de l'uranium 235. Et il va donner, bon, je vais l'écrire, hein, plutôt que de mettre les trucs, c'est Ba plus Cr, c'est du barium, plus le krypton. Et plus 209. C'est ça la réaction qui se produit dans les centrales nucléaires que dont vous entendez parler dans le monde entier. La plupart des centrales fonctionnent selon ces critères-là. Alors bon, je sais pas où je peux aller dans les détails. Les 200 MeV, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le défaut de masse, c'est-à-dire la masse initiale et la masse finale n'est pas la même. Il va manquer une masse. Et cette masse qui manque, enfin, c'est un défaut de masse, on va l'appeler delta M. Multiplié par C au carré et vous aurez l'énergie. Vous allez transformer de la masse en énergie par réaction nucléaire. C'est comme ça qu'on calcule. C'est E est égal à MC2, la formule d'Einstein. Bon, voilà, ici, c'est E est égal à MC2. Et le M ici, c'est la différence de masse. C'est la masse initiale moins la masse finale. Il va manquer un petit peu ici. Mais ce qui manque, on le trouve sous forme d'énergie 209. Alors, je n'ai pas fini ici, plus, je dirais, 2 ou 3 neutrons. 2N ou 3N. Ça dépend. C'est des réactions qui ne sont pas, se refont pas exactes. Parfois, vous avez 3 neutrons et parfois, vous avez 2 neutrons. On va dire 2,5. Hein. 2,5. Voilà. C'est une façon de parler, 2,5. C'est pour dire une fois c'est 2, une fois c'est 3. Parce que la réaction, il y a des réactions qui donnent 2 neutrons et d'autres, ce n'est pas stable. Hein. C'est comme ça. Donc, on obtient des neutrons, du barium, du krypton, et l'énergie, c'est 200 MeV. Ça, c'est dans les réacteurs à fission qu'on utilise actuellement. Bon, faut pas, par exemple, les sous-marins nucléaires, les 2 à 5%, mais il faut à peu près dans les 20% d'enrichissement pour avoir un sous-marin à propulsion nucléaire. Donc, vous voyez, il faut enrichir beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'uranium pour avoir la possibilité d'avoir un sous-marin, un moteur avec nucléaire. C'est-à-dire on fait un petit réacteur nucléaire qui permet au sous-marin d'avancer. C'est une énergie incroyable. Évidemment, on a les dangers, on en parlera tout à l'heure. Maintenant, si vous voulez faire la bombe atomique, alors la bombe atomique, ça va de 80 à 99%. Hein, d'enrichissement. Là, c'est autre chose. Ça, c'est les bombes. Okay. Ça, c'est les sous-marins nucléaires. Ça, c'est les réacteurs nucléaires civils qu'on utilise partout dans le monde. Voilà. Alors, évidemment, ce que nous, je ne sais pas s'il y a des questions sur ça, peut-être que vous connaissez un peu. Ah oui, le neutron ici, c'est un neutron qui est, on dit un neutron lent. Rapide, quoi, par opposition, il est très lent. Et ceux-là, ils sont rapides. D'accord, à part rapide. Alors, quand je dis lent, ça veut dire à peu près un électron-volt. Vous savez que l'énergie, on peut la donner en électron-volt. Un joule est égal à 1,6 puissance moins 19 électron-volts. Tandis que là, c'est 200 MeV. Hein.
D'accord, c'est 2 10 puissance 8 électrons volts. C'est l'ordre de grandeur fois 10. Donc ça, c'est tous ces corps-là, le baryon, krypton, puis les 2 ou 3 neutrons, ont une énergie qui est égale à 200, même en énergie cinétique. Vous savez, c'est de l'énergie cinétique, ça. Il y a aussi des rayonnements gamma, il y a quelques rayonnements, mais principalement, c'est de l'énergie cinétique. Donc, vous voyez, il s'avère que le problème qui se pose dans les centrales nucléaires, c'est que pour avoir une réaction nucléaire, il faut un neutron qui est lent. Si je prends un neutron rapide, il n'y aura pas de réaction. On appelle ça la section efficace. La section efficace pour que la réaction puisse avoir lieu, elle est optimisée à partir du moment où le neutron, il a une énergie de l'ordre de l'électron-volt. Si on prend par exemple 1 MeV, d'accord, ou 200 MeV, ou... ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La réaction n'aura pas lieu. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que je peux au début avoir un neutron qui est neutre, mais qui est lent. D'accord? Il va faire la réaction. Mais j'aimerais bien que le neutron que j'ai ici revienne, ce qu'on appelle une réaction en chaîne, pour justement créer d'autres réactions nucléaires avec les autres noyaux. Vous avez compris? C'est l'idée. L'idée étant faire ce qu'on appelle une réaction en chaîne. La réaction en chaîne, c'est utiliser. Donc on fait une réaction en chaîne. Utiliser les neutrons qui sont produits pour les réutiliser pour refaire d'autres réactions nucléaires. Seulement le problème, c'est que ces neutrons-là, ils sont rapides. Ils ont des énergies d'ordre 10 puissance 8 électrons-volts, alors qu'on a besoin d'un électron-volt. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les ralentit. On les ralentit, vous avez tous entendu parler, il y a ce qu'on appelle une piscine, hein. Il y a un bac d'eau, et ces neutrons, quand ils traversent l'eau, ils sont ralentis. On les ralentit justement jusqu'à des énergies de l'ordre de l'électron-volt, et là, on peut les réutiliser, évidemment, pour faire d'autres réactions nucléaires. Et donc, c'est une réaction en chaîne, elle ne s'arrête pas, elle ne s'arrête pas, elle ne s'arrête pas. Tout ça, évidemment, sous contrôle, hein, parce qu'il faut contrôler tout ça. Il y a même des barres de contrôle. Vous savez, dans un réacteur, je vais faire le petit schéma. Il y a ce qu'on appelle des barres de contrôle, c'est-à-dire des barres comme ça. Je ne sais plus quel matériau. En plomb. Voilà, c'est du plomb. Pb. Que l'on met dans le réacteur et qui va absorber les neutrons. Quand on voit qu'il y a trop de neutrons, c'est dangereux. Alors, on rajoute, on met tout de suite des barres de contrôle. On les fait descendre et qui vont commencer à absorber les neutrons. Comme ça, on contrôle les neutrons qui sont produits. Il ne faudrait pas que ça s'emballe, hein, parce que si ça s'emballe, c'est la catastrophe. C'est ce qui s'est passé. Les catastrophes, vous les connaissez, hein, on va en parler tout à l'heure. Donc, voilà un petit peu l'idée qu'il y a dans la fission. Alors, bon, les noyaux, je ne sais pas si vous savez, les noyaux, ça, vous allez le faire. C'est la première courbe que vous allez faire, hein. Si vous tracez ici, l'énergie de liaison, entre les nucléons dans un noyau. Voilà. En fonction de la masse atomique A, c'est par nucléon. On ramène à chaque fois par nucléon. On le divise par le nombre de neutrons plus protons. Vous allez trouver une courbe comme ça. Ça veut dire qu'ici, par exemple, il y a de l'hydrogène, etc. Vous voyez que l'hydrogène, il faut une énergie de liaison qui est faible. D'accord? Ça, c'est H, l'hélium, etc. Parce que A, c'est la masse atomique. Hein. C'est quelque part ici. 1, 2, voilà, 2, 3. Et quand j'arrive au maximum, c'est le fer et le cobalt. Le fer et le cobalt, ce sont les corps les plus stables qui puissent exister. D'ailleurs, dans la fabrication du fer et du cobalt, si vous voyez à l'univers, dans l'univers, vous savez qu'il y a eu d'abord, bon, je ne vais pas parler de l'histoire de l'univers, mais en tout cas, il y a eu, c'est des protons, hein. Et puis il y a des photons, etc. Et puis petit à petit, des noyaux se sont faits. Pour fabriquer le fer et le cobalt, c'est compliqué, parce qu'il y a des énergies de liaison, elles sont très très importantes. C'est parmi les dernières qui ont été fabriquées. Alors, l'uranium, qui a évidemment, c'est 235, c'est très très loin ici. Et quelque part ici, 235. Donc, vous voyez, il a une énergie de liaison qui est quand même assez importante.
pas trop importante par rapport, par exemple, à ici. Voilà, donc ça, c'est, ça vous donne une idée des noyaux. En plus, il y en a certains qui sont instables. Celui-là, il est instable, justement, ça tombe bien. Donc, il est plus facile à séparer que les autres qui sont plus stables. Alors, bon, ça, c'est des informations. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions à poser sur les réactions en chaîne. Les vitesses. La vitesse du neutron qui est lent, celui qui fait, c'est 2 km à la seconde. C'est un électron-volt à peu près. Vous pouvez le calculer. L'autre, évidemment, c'est 10 puissance 8 en racine carrée, parce que la vitesse, c'est v carré l'énergie, hein, un débit de 1v2. Donc 10 puissance 8 et 1, on aura 10 puissance 4, donc c'est 20 000 km à la seconde. Les neutrons rapides, ils ont 20 000 km à la seconde. C'est des ordres de grandeur à retenir. Hein. Bon, voilà. Bon. Vous savez aussi que maintenant, il y a la fission. Il y a d'autres, quatrième génération. Il y a des réacteurs de quatrième génération. On améliore, hein? On améliore constamment. Qui utilise même l'uranium 238. Tenez-vous bien, l'uranium 238 est utilisé. Qui pourtant est très très stable. Et on arrive. Bon, on utilise évidemment des neutrons rapides. Et on arrive à dégager à peu près 100 fois plus d'énergie. 100 fois plus. Ça, c'est les futurs. Mais par contre, tout ça, c'est mis de côté. Hein. Tous les réacteurs à venir, c'est mis de côté parce que maintenant, bon, vous savez qu'il y a quand même les mouvements des écologistes. Il est devenu tellement important. Les populations n'en veulent plus. Hein. C'est dangereux. Vous connaissez les catastrophes nucléaires? Je ne sais pas si vous les connaissez. Qu'est-ce qu'il y a comme catastrophe nucléaire? Il y a Tchernobyl. Et Tchernobyl a fait des dégâts énormes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, le nombre de personnes qui sont mortes par cancer. Voilà, même en Algérie. Hein. Vous savez qu'il y avait un nuage radioactif, il est parti partout, et ensuite il est tombé partout. Vous voyez le nombre de personnes qui ont des problèmes de thyroïde, par exemple. Et des gens qui meurent de la thyroïde. Hein. Jusqu'à présent, c'est des dégâts énormes. Et dans toute la population mondiale. Ah oui, c'est terrible ce qui s'est passé. Bon, la dernière, c'est Fukushima au Japon. C'est terrible ce qui s'est passé au Japon aussi. C'est une centrale qui était au bord de la mer et il y a eu, vous connaissez, un tsunami qui a complètement englouti la centrale et elle a explosé. Le cœur du réacteur a explosé parce que ça a chauffé, 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 chauffé. Parce qu'il n'y avait pas d'eau pour refroidir, ça a chauffé, puis voilà. Évidemment, les centrales nucléaires, elles consomment beaucoup d'eau, hein, parce qu'il faut refroidir constamment. Hein. Et voilà, donc tous ces trucs-là sont des trucs horribles. Et maintenant, bon, même ces réacteurs à future génération, ce n'est pas évident qu'ils voient peut-être le jour, mais peut-être qu'on les fera parce qu'on n'a pas le choix. Et on pense beaucoup plus aux énergies renouvelables, hein, bon, l'énergie solaire notamment, l'éolienne, etc., etc. Bon, c'est un petit peu à la mode maintenant et c'est la tendance, c'est d'essayer d'utiliser ça. Il y a quand même des inconvénients. Le plus grand inconvénient de ça, c'est ce qu'on appelle les produits radioactifs. Vous savez, les produits de la réaction, vous avez vu, c'était, comment dirais-je, le barium et le krypton. Hein. Et bien, tous ces produits de la réaction, on les récupère à la fin, au fond de la réacteur. Et ensuite, on va les enfouir. On sera obligé de les mettre dans. On va les vitrifier. On les met dans du verre. Ensuite, on met dans des enceintes métalliques avec une très grosse épaisseur. Et ensuite, on les met dans du béton, très grosse épaisseur, et on les enfouit sous la terre à des distances très importantes. Vous avez entendu? Donc, vous voyez, on essaye de limiter les effets des radioactifs, des déchets radioactifs. Seulement, ces déchets radioactifs, c'est ce qu'on appelle la longue vie. Hein. C'est des déchets à longue vie. C'est-à-dire que les futures générations vont avoir ces déchets radioactifs. Et on ne leur a pas demandé leur avis. Hein. Ils ne sont pas encore nés, ceux-là. Et donc, c'est terrible, hein, on fait des déchets pour les futures générations. Voilà, bon, c'est. Enfin, les catastrophes écologiques, on les connaît, puisque Tchernobyl, Fukushima et même le Three Mile Island aux États-Unis. C'est un accident aux États-Unis. Et ce n'est pas fini, peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, on ne sait pas. Donc, ils disent que ça se passera, il n'y a pas de problème, mais il se passe toujours quelque chose.
Donc, ça veut dire que ces accidents peuvent très bien se reproduire encore une fois. Ça, c'est clair, hein. On ne peut pas avoir une sécurité à 100%. Voilà un petit peu ce que je vais vous raconter sur la fission thermonucléaire. D'accord? Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que il faut de l'uranium-235 en quantité très petite, donc il faut à 0,7%, donc il faut arriver entre 2 et 5% pour qu'il soit utilisable. Bon, les réactions se font avec des neutrons qui sont thermiques, c'est-à-dire après électron-volt, sinon ça ne marche pas. Ça produit des neutrons rapides, il faut ensuite une piscine pour les ralentir et les réinjecter dans le réacteur pour continuer à faire ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Voilà, vous connaissez. Bon, ça marche très bien. Ça marche très bien. Si on oublie tout le reste, ça marche très bien. Il y a tel que la France, ils utilisent, il me semble, dans les 70% hein, de leur énergie électrique, elle vient des stations nucléaires. Hein. Donc, c'est gratos quasiment. Bon, c'est pas gratos, ça coûte de l'argent, etc. Mais... Donc, il faut aussi des mines Mais les mines, c'est un combustible limité parce que c'est des mines, c'est comme le pétrole. Hein. De toute façon, il arrivera un moment, il n'y aura plus d'uranium. Hein. Ça aussi, c'est un problème. Donc, on trouvera peut-être autre chose d'ici là, mais pour l'instant. Alors, les futures générations, évidemment, il y a des réacteurs qui peuvent utiliser ben, l'uranium-238. Il y a voilà, le danger, un danger potentiel qui pèse sur l'humanité avec tous ces réacteurs. Et vous connaissez les dégâts de la bombe atomique. Hein. Donc, jusqu'à présent, les Japonais souffrent des deux bombes atomiques qui ont été tombées qui ont été envoyées sur Hiroshima et Nagasaki. Hein. Donc, les gens meurent toujours, il y a toujours des effets, de la radioactivité, etc., etc. C'est terrible. Alors, l'idée, c'est quoi maintenant? L'idée, c'est d'essayer de faire, non pas la fusion, puisqu'elle est dangereuse, mais la fission, pardon, dangereuse, donc plutôt de faire de la fission. Voilà, c'est ça l'idée, faire la fission. Donc, on va essayer de vous expliquer un petit peu bon, comment que ça marche. Donc, fission. Non, mais la fusion, oui, fusion thermonucléaire. Alors, pour la fusion thermonucléaire, comme je vous l'avais expliqué, il y a une réaction qui consiste à fusionner des atomes. Mais pour les fusionner, il faut qu'ils soient légers. Les plus légers qui puissent exister, c'est le deutérium, le tritium et l'hélium. Hein. Et la réaction qui est utilisée pour l'instant, celle qui marche le mieux, quand on dit la plus énergétique. Bon, le deutérium, vous savez, c'est un H2. Hein. C'est un atome d'hydrogène avec un neutron. C'est un isotope. Et celui-ci, c'est un H3. On peut aussi les écrire comme ça. Hein. Alors, si on arrive à les faire fusionner, si on arrive. Alors, on va avoir une particule alpha, c'est de l'hélium. Et un neutron. C'est ça la réaction thermonucléaire. Évidemment, il y a un dégagement d'énergie, ça qui nous intéresse. C'est 17,6 MeV. Voici la réaction, la fusion thermonucléaire, la principale réaction. Et ça, c'est la fusion. On fusionne des atomes légers et on fissionne des atomes lourds. D'accord? La fission, c'est lourd, on coupe en deux. La fusion, c'est des atomes légers qu'on met, on fait rentrer les deux atomes, les deux noyaux vont faire un seul. Regardez ici, vous avez 2 plus 3, 5. Là, vous en avez 4 plus 1, 5. D'accord? Donc, vous avez ici deux protons et deux neutrons. C'est la particule alpha aussi, la particule alpha, l'hélium 4, puisqu'il y a l'hélium 3 aussi, c'est pour ça qu'on. Donc, c'est ça l'idée. Alors, quel est l'intérêt et comment on fait ça? D'abord, est-ce qu'il existe deutérium tritium? Ou la réponse est oui, ça, il n'y a pas de problème. Le deutérium, c'est dans l'eau de mer. Hein. Dans l'eau, dans l'eau de mer.
Alors, par exemple, il y a 33 mg dans 1 litre. Beaucoup. Donc, on peut dire qu'on n'a aucun problème pour trouver le combustible thermonucléaire. Le tritium, non, ça pose problème. Le tritium, en général, on le fabrique. On prend du lithium. C'est le lithium qu'il faut, plus un neutron. On l'attaque avec un neutron, et il va nous donner justement le tritium. Le lithium, lui, il est disponible dans la croûte terrestre. C'est des quantités énormes aussi. Abondant. La croûte terrestre. Et restre. Donc, il n'y a pas de problème. Ça se fait même dans le réacteur. Vous allez voir, dans le réacteur, on peut tirer, on peut fabriquer du tritium. Dans le réacteur. On parlera des réacteurs tout à l'heure. Pour l'instant, je ne parle que de la réaction nucléaire. Bien. Alors, l'énergie dégagée ici, c'est 17 MeV, 17,6. Tout à l'heure, c'était combien? Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Pour la fission, c'est 200 mètres. Bon, je marque une pause ici pour prendre les gens présents. Alors, là, j'ai pas pris tout le monde. Hein. Bon, je n'ai pas eu le temps que enregistrer sous capture. Nous sommes le 30 aujourd'hui, c'est ça? Oui. Oui, monsieur. Capture 1. Pour 2. J'enregistre le bureau. C'est bon. Je reviens et je prends la suite. Bon, la suite, c'est qui? Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y en a eu combien là? Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc tout le monde est là, c'est ça, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, tout le monde est là. Si quelqu'un ne voit pas son nom, il dit. D'accord. Ouais. Exactement. Ok, c'est bon. On a gagné la partie. Très bien. Alors, je reviens. Je reviens à. Donc, je disais quoi déjà? Que. Pour faire la fusion, il faut donc fusionner des atomes légers, des noyaux légers, pardon, et la disponibilité du combustible thermonucléaire, c'est le deutérium, il y en a à gogo dans l'eau de mer. Et pour le tritium, on peut le fabriquer à partir du lithium, qui lui est extrêmement abondant, et on sait le faire sans. Le lithium, il est légèrement radioactif, hein, légèrement. C'est pas, il a une durée, il me semble qu'il a une période de 10 ans. 10 ans, 11 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Parce que c'est les trucs à longue vie qui posent problème. 10 ans, ça va. Mais en plus, il n'est pas très radioactif. Alors, je vous ai dit qu'il y a 200 MeV et 17 MeV. C'était ça la ma remarque. Pour la fission, c'était 200.
Mais là, il ne faut pas dire 200. Il faut 200 divisé par 235. C'est par nucléon. Et là, c'est 17 divisé par... Ici, il y a combien de nucléons ici? Il y en a 5. Divisé par 5. D'accord? Parce qu'ici, il y a deux nucléons. Les nucléons, c'est des protons ou des neutrons. Hein. Il y a 2 plus 3, 5. Et on sait que l'autre, c'est le radium 235. Alors, si vous faites 200 divisé par 235 et 17,6 divisé par 5, vous allez trouver que ça, c'est plus grand. Vous pouvez le faire. Hein. Donc, 17,6 divisé par 5 égale. C'est 3,52. Tandis qu'ici, c'est 200 divisé par 235. Donc, celui-là, je le mets en mémoire. 200 divisé par 235. 0,85. Je divise par la mémoire, égale, et j'inverse. Vous voyez que c'est 4 fois plus énergétique. Donc la fusion, elle dégage plus d'énergie que la fission, 4 fois plus. Bon, parce qu'il faut ramener ça au nucléon, évidemment, c'est la masse, la matière qu'on utilise. Donc il ne faudrait pas penser que c'est 200, c'est grand. Non, 17,6 par 5 nucléons, c'est plus grand que 209 sur 235 nucléons. Donc ça, c'est une remarque qui est très importante. Donc il y a la disponibilité. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait la fusion thermonucléaire? Et c'est là le problème qui se pose. C'est tellement intéressant qu'on tient absolument à la faire, cette fusion. Mais bon, ce n'est pas facile. Alors, comment faire la fusion? Qu'est-ce qu'il faut? Pas si vous vous rappelez pour la fission. Pour la fission, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste un neutron. Hein? Un neutron qui a une énergie de 1 électron-volt. Vous mettez votre noyau 235, il va lui taper dessus, d'accord? Et puis il va dégager, il va le couper en deux, du barium, du krypton, et il va avoir entre 2 et 3 neutrons qui sont très rapides. Je ralentis les neutrons parce qu'ils ne sont pas utilisables, il faut les ralentir. Et ensuite, une fois qu'ils ont ralenti leur énergie et de l'ordre de l'électron-volt, je les recycle pour faire d'autres réactions. Et ça ne s'arrête pas. Et les réactions, elles ont lieu constamment, constamment. Mais ici, comment faire pour faire la fusion? Ben, imaginez que vous savez qu'un deutérium et un tritium, c'est des noyaux. Hein. Ici, vous avez un plus et un plus. Ce sont deux noyaux chargés positivement. Bon, ça c'est problématique. Ça c'est vraiment problématique. Parce que pour pouvoir les fusionner, il faut vaincre la répulsion électrostatique. Il faut vaincre facile, vous savez que la répulsion électrique elle est très très forte. Vous ne pouvez pas faire approcher un noyau deutérium et tritium facilement. Il faut beaucoup beaucoup d'énergie. Alors, une fois qu'ils sont très très proches, l'idée est la suivante. Hein, je dis l'idée, ensuite la faisabilité, d'accord. L'idée est de les faire pratiquement à une distance très 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 faible, comme ça. Bon, c'est juste des petits schémas. Hein, où la distance petit d qui va les. C'est de l'ordre du Fermi. De l'ordre 1 Fermi. Quelques Fermi. Le Fermi, c'est 10 puissance moins 15. Hein. Ça, typiquement, c'est les gens du nucléaire qui l'utilisent. Mètre. Si vous arrivez ici, alors là, vous avez des chances de faire la fusion. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'interaction forte. C'est une interaction fondamentale. Vous savez qu'il y a ici, regardez, ça c'est l'interaction électromagnétique. C'est comme ça qu'on l'appelle. Vous savez qu'il y a quatre interactions fondamentales. Interaction faible, gravitationnelle, forte et électromagnétique. Nous en avons deux ici qui rentrent en compétition. Vous avez l'interaction électromagnétique. On dit électromagnétique, en fait ici c'est électrostatique, mais ça revient au même, hein, c'est un mot. Hein. Et puis vous avez l'interaction
forte. L'interaction forte, vous savez, quand vous avez un noyau comme ça, ben, vous avez des nucléons à l'intérieur. Vous avez par exemple ici un proton, un autre proton, et là vous avez par exemple un neutron et un deuxième neutron. Voilà. Mais ils sont collés. Ils sont collés les uns aux autres. Et ben, ce qui les colle, c'est l'interaction forte. C'est ça qui fait que ça colle. Donc c'est une interaction qu'on ne connaît pas, nous. Il faut aller à l'intérieur d'un noyau pour la voir. On n'a pas accès à cette interaction. Vous avez compris, nous, c'est la gravitation, la limite des forces électriques aussi, on peut les ressentir. Mais par contre, l'interaction faible, je n'ai pas parlé d'interaction faible tout à l'heure, il y a l'interaction faible, qui est la quatrième, et l'interaction forte, on n'a pas accès à celle, d'accord? Pas accès. Bon, en fait, les interactions ici, c'est ce qu'on appelle le gluon. C'est une quasi-particule, c'est elle qui fait l'interaction. Puis chaque proton, il est constitué de trois quarks. Et les neutrons aussi. Up et down, c'est-à-dire vous avez, pour le proton, vous avez deux tiers et moins un tiers. Et ici, c'est moins un tiers et deux tiers. Vous voyez, moins un tiers. C'est la charge des quarks. Les quarks sont chargés, soit il y a les plus et les moins. Vous avez deux tiers de E, charge d'électrons, ou bien moins un tiers de E. Et c'est comme ça qu'on fabrique un proton et un neutron. Si j'ai deux fois deux tiers plus moins un tiers, ça me fait E. C'est un proton, hein, multiplié par deux là. Et pour le neutron, c'est l'inverse. Je multiplie par deux celui-là. Et celui-ci n'est pas multiplié par deux et ça me fait zéro. Moins deux tiers et deux tiers, ça fait zéro, c'est le neutron. Et puis là, les interactions sont représentées par une quasi-particule qu'on appelle le gluon. C'est un boson. Voilà. Alors, ça c'est de la physique nucléaire, physique des particules, bon, c'est la physique nucléaire, c'est les accélérateurs, etc. Et donc, il faut absolument qu'on les rapproche à des distances d'ordre du Fermi pour que l'interaction forte devienne plus importante que la répulsion électrique, électrostatique. Et là, la fusion commence. Tout de suite, l'interaction force. Si vous rapprochez trop un proton avec un proton, à partir d'un certain seuil, eh bien, l'interaction force, parce qu'il s'attire, il s'attire, il y a une interaction entre eux, toujours, toujours. Et ensuite, ça y est, c'est gagné, c'est la fusion, et ça va fabriquer un seul noyau, comme ça, un seul corps, comme ça. D'accord? Et ce sera l'hélium. Vous avez compris. Bon, en réalité, ici, c'est... Ça, c'est le deutérium tritium. J'ai deux ici et trois, d'accord? Ensemble, ils vont me donner l'hélium. Mais il faut absolument que l'interaction forte prenne le relais. Donc, il faut rapprocher à des distances de l'ordre du Fermi. Et c'est ça le problème qui se pose. Et une fois qu'on crée un noyau comme ça, instantanément, hein, on va le fabriquer, ce noyau. C'est la fusion. Il est instable, il est très instable. Quand on le fabrique, il va se couper. Il va donner l'hélium et le neutron. Voilà ce qu'il va donner tout de suite. Donc, on fabrique un noyau qui ne dure pas longtemps, très instable. Tout de suite, il va nous donner une particule alpha qui est stable et un neutron qui est stable. Voilà, c'est comme ça, c'est de la physique nucléaire. Et avec un dégagement de l'énergie de 17,6. Il faut dire que cette énergie, elle est divisée entre les deux, hein, entre l'hélium et le neutron. Ben, celui qui prend la plus grande partie, c'est le neutron. 14,1 MeV. C'est lui qui prend tout quasiment, le neutron. Donc c'est un neutron très rapide. Voilà le travail. Donc, parce que je ne voudrais pas vous garder plus. Je pense que... C'est la prochaine fois que je vous expliquerai comment est-ce qu'on peut éventuellement créer la fusion thermonucléaire. D'accord? Parce que là, il reste à peu près 20 minutes. Je sais que je dois vous lâcher à moins un quart. Et bon, tout ce que je peux vous dire ici, c'est que ça, c'est une réaction qui est très, très, très difficile à faire. Donc, ça veut dire quoi? Il faut rapprocher les atomes. Et en plus, il faudrait qu'ils aient de grandes vitesses. En gros, si vous voulez, vous avez le deutérium et le tritium, ça, le deutérium et le tritium.
faudrait qu'ils aient une grande énergie, donc grande vitesse par exemple, comme ça. Et il faudrait les mettre les plus proches les uns des autres. Donc on a intérêt à créer des conditions où la température, hein, c'est carrément la température, est très très élevée. Quand la température est très très élevée, vous savez que la vitesse thermique, c'est racine carrée de K Boltzmann sur T. Hein, d'accord? K Boltzmann sur T. Donc plus la température est élevée, plus la vitesse est énorme. Mais voilà, les températures qui sont demandées ici sont de l'ordre du kiloélectronvolt. Quand vous savez qu'un électronvolt, c'est 10 puissance 4, un électronvolt, c'est 10 puissance 4, kilo, c'est 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 7 degrés Kelvin. C'est-à-dire qu'il faudrait 10 millions de degrés Kelvin pour créer la réaction de fusion. Vous imaginez 10 millions. Voilà ce qu'on essaie de créer dans les réacteurs, les futurs réacteurs de fusion. Voilà, donc on va garder ça comme ça, et puis je vous aurai expliqué un petit peu ça la prochaine fois. Et ça nous permettra. Ensuite, je vais présenter les deux réacteurs qui sont utilisés pour l'instant. Bon, tokamak notamment, c'est un mot russe qui signifie, il me semble, tore. Un tore. Un tore, c'est une bouée, hein, d'accord. Et puis, on fait la fusion par laser. Donc, il y a deux possibilités pour faire la fusion. La fusion par laser et la fusion par confinement magnétique. Je vous dirai quels sont les laboratoires où les gens travaillent beaucoup là-dessus, la physique, l'argent qui est mis là-dedans, etc., etc. Voilà. Nous, on s'est intéressé beaucoup à ça. C'est l'une de nos activités au laboratoire. Voilà, donc, je pense qu'on a fait un petit cours. Je vous remercie d'avoir fait l'effort de faire aujourd'hui un cours.